Martin Lachance, salut. Salut. Bienvenue au quiz de la clé des champs. J'ai peur. On n'est jamais prêt pour ce quiz. La clé des champs. J'ai des questions pour toi, par rapport à la musique. OK. Et puis, t'as un choix de réponse. OK. Voici la première question. À quand remontent les premières traces d'un instrument similaire à la guitare? Est-ce A, 3000 ans avant Jésus-Christ? B, 3000 ans après Jésus-Christ? Ou C, 5000 ans avant Jésus-Christ? C'est certainement pas après Jésus-Christ. Je vais dire 3000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est une bonne réponse! Hey! Question numéro 2, mon cher Martin. Comment se nomme le petit mécanisme qui permet de tendre plus ou moins les cordes sur une guitare? Est-ce A, la virole? B, le taquet? Ou C, une clé? Une clé! Une clé! Ça commence par C, en plus. Ouais. Troisième question. Oh, c'est une question qui parle des Martins, comme bon. Toi et moi. Okay. Les guitares Martin ou Martin ont été créées par un luthier de quelle nationalité? Est-ce que M. Martin était un Français, B, un Anglais ou C, un Allemand? Ah. Hey, je pensais que c'était un Américain. Ouais. Et non. Un Allemand. Bonne réponse! Hey, hey. Ça va bien ton affaire! Question numéro 4. Quelle est la particularité de la guitare de Brian May, le guitariste de Queen? A, la guitare a été fabriquée à partir d'une porte. B, elle a été fabriquée à partir d'un linteau de cheminée. Ou C, elle a été fabriquée à partir d'un établi? Un linteau de cheminée. Oui, monsieur, puis c'est son père qui l'a fait. Oui, puis c'est un bar de trémolo. C'est une broche à tricoter de sa mère. Et voilà, un vrai connaisseur. Bravo, Martin, je te sers la main. Hey! Yeah. C'était le quiz de la clé des champs avec Martin Lachance. Hey! Et voilà, aussi simple que ça, ça n'a pas trop fait mal. Non. La clé des champs. Idée originale, iProd Inc. Invité, Martin Lachance. Une production iProd avec le soutien du Fonds Bell et de Ami Télé. Productrice déléguée, Marie-Hélène Fortier, Atypique Productions Inc. Productrice exécutive, Isabelle Maréchal.